Quatrième fonction. Kazi ya ine. Nous convaincre de péché. Nous convaincre de péché. Kutuhakikishia zambi. Et donner la vie sainte. Na kutupa maisha safi. En enlevant les je ne peux pas. Et enlever les je ne peux pas. Na kuweka kando ile maneno kusema siwezake hiki. Si ni roho. Amen. C'est l'esprit. Si ni nguvu. Mais c'est la puissance. Amen. Roho. L'esprit. Anaingia mumutu. Il entre dans l'homme. Anakuwa sawa juge. Il devient comme un juge. Hakimu. Anakuwa sawa kuwa na kukondane. Il devient comme quelqu'un qui te condamne. Hauna besoin c'est me ba kutomboke. Tu n'as pas besoin qu'on puisse tonner sur toi. Hauna besoin bwana njua kuna tomboka. Tu n'as pas besoin que les maris tonnent sur toi. Hauna besoin que bibi yako njua kuna kukumusha sema lakini chéri lakini hapana. Tu n'as pas besoin que ça soit ta femme qui te rappelle chaque fois chéri chéri. Yeye ni juge wako. Lui il est ton juge. Ukitafuta fanya kakitu kabaya. Quand tu veux faire quelque chose de mauvais. Anaanza kutombokea na hakuna mwenye alishakwambia. Il commence à tonner sur toi et il n'y a personne qui te l'a déjà dit. Oui oui. Hier, nous avons donné un communiqué. Et ceux qui ont vu les serviteurs depuis longtemps, et il leur avait dit qu'ils puissent les préparer pour recevoir le vrai Saint-Esprit. Pas ceux qui vont se présenter aujourd'hui, ceux qui s'étaient déjà présentés dans les jours passés. Mardi, ils seront avec les serviteurs. C'est le mardi, non, frère? Oui, oui. Ouais, c'est mardi. Si tu n'étais pas ici hier, on vient de te communiquer aussi. Mais ne nous dis pas aujourd'hui parce que tu n'es pas parmi ceux qui ont dit. Ce sont qui sont déjà sur la liste. Amen. Et écoutez la Bible. Écoutez la Bible. C'est qui la Bible? C'est pas mon enseignement. C'est l'enseignement biblique. Ni mafundisho ya Biblia. Lisez la parole de Dieu. Tu somme neno la Mungu. Il dit ceci. Inasema hivi. Et quand il sera venu, na ataka pokuja, Jean 16, 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, hakikishia dunia kwa yenye kuhusu zambi, la justice haki, et le jugement na hukumu, en ce qui concerne le péché, kwa yenye kuhusu zambi, parce qu'il ne croit pas en moi, sababu hawakuni amini mimi, la justice haki, parce que je vais au Père, sababu ninaenda kwa baba, et que vous ne me verrez plus. Na hamtani ona tena. Atakapokuja. Amen, amen. Quand il viendra. Atakuwa na convaincre watu. Il va convaincre les gens. Chenye kina usika na na zambi. En ce qui concerne les péchés. Atakuwa na ba convaincre. Et il va les convaincre. Kufanya bitu vizuri. De faire la justice. Atakuwa na tia mu watu mo hukumu. Et il mettra le jugement dans les hommes. Kwa sababu. Parce que. Bengine habaamini. Les autres ne croient pas. Atakuwa na fanya bitu roho zabo hazita ba hukumu. Ils vont faire les choses et leur cœur ne les condamnera. Nye benye mutakuwa naye. Mais vous qui l'aurez. Atakuwa na fanya kakitu kadogo. Ndiyo ndiyo. Unakosa na busingizi. Tu fais juste une petite chose et tu manques le sommeil. Alléluia. Oh chérie, unaona? Oh chérie, tu vois? Sina franga. Je n'ai pas l'argent. Na ulize muficha. Tu me l'as caché. Unafika mu barabara. Tu arrives dans la route. Roho anakuambia. L'esprit te dit. Wewe msema bongo. Toi menteur. Unaambia bibi hauna franga. Tu as dit à la femme que tu n'as pas l'argent. Unamwambia kama ziko na ingine mpango. Tu pouvais lui dire que l'argent est là mais avec un autre plan. Bana aseme hauna. Mais ne pas mentir que tu n'as pas. Est-ce que hauna hazo? Est-ce que tu n'as pas l'argent? Unasikia unapiga pou. Tu sens le cœur battre pou. Mneza rate kunyakuliwa hapa. Je peux manquer l'enlèvement dans ça. Unapiga téléphone. Allô chérie. Tu prends le téléphone, tu appelles. Allô chérie. Chérie. Oui. Nilikudanganya. Je t'ai trompé. Nilikudanganya. Je t'ai trompé. Niko nazo. J'ai l'argent. Nilikuwa na programme yazo. Mais j'avais un autre programme. Nakwambia haziko. Et je t'ai dit que je n'ai pas l'argent. Niko na 200. Mais j'ai 200 dollars. Kama tata deni quelque part ya 10 dollars. Prends d'abord même un crédit quelque part de 10 dollars. Je viendrai rembourser le soir. Mais musishinde njala. Mais ne passez pas la journée vendredi. Huyo mwenye hana Saint-Esprit. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Anakupiga bongo. Il te fait un mensonge. Nanaendelea loi. Et il continue avec sa route. Amen, amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Na kuwa na bwana mwenye hana roho. Et si tu as un mari qui n'a pas l'esprit. Ana registre mu telefone mbaraka. Ndio. Il a registré dans le téléphone une prostituée. Kisha naandika ko mécanicien. Puis il écrit le nom de mécanicien. Yesu bwana. Mbaraka naita. La prostituée appelle. Chérie, mécanicien, il connaît Kouita. Tu lui donnes le téléphone, chérie, c'est le mécanicien qui appelle. Mécanicien, l'Ishaïta. Mécanicien a déjà appelé. Kumeni Mbaraka. Pourtant, c'est une prostituée. Oui, mécanicien, n'a pas. C'est un mécanicien aussi.
Ces mécaniciens aussi. Allô? Allô? Oui, allô? Pas qu'à couesser. Jusqu'aux toilettes. Où est-ce qu'on a subi? Il faut pas m'appeler le matin. Bibi, on joue à l'icône à téléphone. C'est ma femme qui avait le téléphone. On était 13h. Il faut m'appeler à 13h. Jean Atos. Ah, bah, mécanicien, on a subi. Et puis il rentre et dit, ah, c'est mécanicien aussi. Icône à ni, on lui a dit, mais est-ce qu'il y a Kuna Rilaka? Il est en train de me demander, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un travail à lui donner? Aïe, 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 aïe. Yo. Mawa. Hana Roho. Il n'a pas l'esprit. Ndio. Amen. Amen. Mécanicien. Mécanicien. Un mécanicien. En tout cas, quoi? Ah, pour que vous soyez dans le SMS. Pour que tu ne puisses pas toucher SMS. Colonel. Il écrit colonel. Si tu as le téléphone, colonel, je vais aller. Ah, bon. Pas un colonel, c'est même pas un colonel, c'est une prostituée. C'est vrai. Quand l'esprit entrera dans cet homme, il le convaincra pour le péché. Ce ne sera plus toi qui dois te convaincre. L'esprit. L'esprit. Il va le frapper. Il va lui dire ça, non. Et dira qu'il va les frapper en ce qui concerne les péchés. Parce que les autres ne croient pas. Amen, amen. Quand ils vont commencer à imiter ceux qui ne croient pas, convaincre les gens. Il va les convaincre en ce qui concerne les péchés. Alléluia. Amen, hein? Amen. 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 Et maintenant, si tu as déjà compris, tu dois comprendre que tu n'es rien si tu n'as jamais reçu l'esprit. C'est pourquoi même celui qui n'a pas le Saint-Esprit, s'il meurt, il ressuscitera en ira en enfer. Oui. Ceux qui ressusciteront seulement et entreront au ciel, c'est ceux qui sont morts ayant l'esprit. Tout. C'est ça que vous écoutez, on vous dit. Nous sommes venus sur terre, mais produits. Nous rentrerons, mais produits. Mais si nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est la seule chose avec laquelle l'homme peut partir. Amen. Ça, magari, les véhicules zitabaki resteront. Ma étage, les étages zitabaki resteront. Ma valise, muko munayaza manguo, les valises que vous remplissez avec les habits, ni kukufunika moya, on va juste te faire porter un seul habit. Amen, amen. Ma frère, abatu bako wanapigania bayaze kuma banque. L'argent dont les gens sont en train de combattre pour qu'ils puissent remplir ça au banque. Unaenda na kubanke zinayala na cheque ingeziandika me habata kudeposer ko cheque. Batoto bako kukilio bako banauliza na seme tutamaliza kilio sangapi tufanye réunion de famille tuyue hizo franga tutazigabulana naye. Tu pars, tu laisses l'argent en banque, on ne mettra même pas un carnet de chèque dans le cercueil. On t'enterre et les enfants se posent la question, on finira les deux et quand pour qu'on entre en réunion, pour qu'on discute sur comment est-ce qu'on va retirer cet argent. Nous sommes venus me bréduire. Et nous rentrerons me bréduire. Mais si nous avions reçu le Saint-Esprit, et c'est la seule chose avec laquelle nous traversons. Est-ce que vous ne trouvez pas que les païens partent mal? Alléluia. Amen. 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 Amen.